Ok. Alors, salut, 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 chers amis ivoiriens. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, comme promis, aujourd'hui, c'est le direct pour m'adresser à notre cardinal Coutois. Alors, le cardinal Coutois, en Côte d'Ivoire, là, le cardinal Coutois. Alors, lors de la messe de la paix qu'il a présidée à la cathédrale Saint-Paul, Saint-Paul d'Abidjan, le 30 décembre dernier, le cardinal Jean-Pierre Coutois a lancé un appel à désarmer les cœurs et à libérer les membres du mouvement politique interpellé le 23 décembre à Abidjan. Alors, moi, je vais aujourd'hui me prononcer sur ça. Vous allez envoyer ma vidéo au cardinal. Voilà, vous allez envoyer ma vidéo au cardinal, lui faire passer mon message de façon claire. Mais avant de parler au cardinal, je vais d'abord vous faire écouter une vidéo. Une vidéo. Alors, prenez votre temps, asseyez-vous. On a 45 minutes. On ne dépasse pas 45 minutes. Donc, prenez votre temps, asseyez-vous. Chers amis, depuis quelques jours, notre pays est traversé par une situation que des individus veulent nous imposer, des voyous de la République, voilà, veulent nous imposer. En même temps qu'ils ont créé un parti politique pour se mettre, pour participer aux élections présidentielles de 2020, en même temps, ils se cachent la nuit pour préparer la déstabilisation de la République. Comme eux, ils ne sont pas fatigués. Et ils ne sont pas fatigués, ils ont fait la rébellion de 2002, ils ont tenté la tentative de coup d'État de 2017 à Boaké. Aujourd'hui, ils veulent encore nous imposer une guerre en 2020. Parce que pour eux, c'est eux qui ont fait tous les régimes politiques en Côte d'Ivoire. Donc forcément, le pouvoir doit leur revenir en 2020. Si le pouvoir ne leur revient pas, alors ça sera le chaos, ce sera la catastrophe. Chers amis, comme nous sommes aussi des Ivoiriens et que ce pays est aussi notre pays, nous n'allons pas aussi les encourager. Je le dis et je le répète à chaque fois qu'il n'y a pas de logique qui dit quand Gbagbo est tombé par les armes, Guéï est tombé par les armes, Bédié est tombé par les armes, alors le président Ouattara doit tomber par les armes. Ça, c'est pas vrai. Ceux qui disent ça là, c'est des gens qui n'ont rien compris. À un certain moment donné, il y a eu l'instabilité parce qu'il y avait des régimes incompétents à la tête de nos pays. Il y avait des hommes incompétents à la tête de nos pays. C'est pour ça qu'il y a eu l'instabilité. Aujourd'hui, nous avons le président Ouattara avec une équipe à la tête de la Côte d'Ivoire qui travaille, qui bosse, qui fait un excellent travail que moi j'apprécie. Sincèrement, j'apprécie. Un excellent travail. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a connu des retards. 20 ans d'instabilité, 20 ans d'instabilité après la mort de Félix Houphouët-Boigny. Nos aînés sont rentrés dans une guerre de succession de Houphouët-Boigny. On a connu la suite. On a connu des Ivoiriens qui ont été tués. On a connu le boycott actif. On a connu la guerre Gbagbo et Guéï-Robert en 2000. On a connu le coup d'État qui s'est transformé, la rébellion qui s'est transformée, le coup d'État qui s'est transformé en une rébellion et qui a fait des milliers de victimes. Qui s'est transformé en une rébellion qui a fait des milliers de victimes sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, après ces efforts qui ont été faits à l'endroit de ces nos frères qui étaient dans la rébellion, certains d'entre eux n'arrivent pas aujourd'hui à prendre conscience. Eux, ils veulent faire la guerre. En 2020, ils veulent faire la guerre. Moi, je vous ai dit ici que je n'ai jamais accepté que Gbagbo amnistie Soro Dion. Je n'ai jamais accepté. Pour moi, l'amnistie de Gbagbo était une trahison. Gbagbo ne devait pas amnistier Soro Dion. Vous pouvez tout lui donner, mais faites de sorte que la justice fasse son travail. Alors, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, nous nous sommes engagés. Nous sommes les survivants de la crise de 2010. Nous n'allons pas laisser notre pays encore s'écrouler. Notre pays tombé encore dans une guerre. Nous n'allons pas accepter ça. On le fait pour ces Ivoiriens
qui ont tant souffert des intérêts égoïstes et malhonnêtes des hommes politiques. Nous, nous n'allons pas nous laisser faire. Chers amis, avant de commencer, je vais vous dire pourquoi j'invite je vais parler aujourd'hui au cardinal, mais avant de parler au cardinal, je vais vous montrer une vidéo. Une vidéo qui me donne la force aujourd'hui de parler au à notre cardinal, et je parlerai des choses encore. Comment il s'appelle? Guémichet. C'est les deux personnes qui m'intéressent aujourd'hui. Donc, envoyez ma vidéo au cardinal et puis à Guémichet. Premièrement, pourquoi je suis pour la justice? Notre combat aujourd'hui, c'est la justice ou rien. Il faut que dans notre pays, le mal de la Côte d'Ivoire, c'est que des Ivoiriens eux-mêmes n'ont pas encore compris que c'est la justice qui réconcilie les peuples. C'est la justice qui réconcilie les peuples. C'est la justice qui fait de sorte que dans des pays, il y a de la stabilité. C'est la justice qui canalise les individus. Comme nous tous, nos comportements, on se connaît. Donc, on a fait de sorte à créer la justice. Et Dieu lui-même, là, il aime la justice. C'est pour ça que Dieu a jeté Satan. Parce que lui, il n'aime pas le désordre de Dieu. Il a jeté Satan, il était au ciel. Quand Satan a voulu se révolter contre lui, Dieu l'a projeté sur la terre. Parce que Dieu n'aime pas le désordre. Dieu établit des autorités pour créer les conditions de stabilité. C'est pour ça qu'on établit des autorités. Alors, chers amis, je n'ai pas apprécié les propos du cardinal. Je n'ai pas apprécié ses propos. Je n'ai pas apprécié et je vais dire, c'est mon opinion, je l'assume, ce que je vais dire aujourd'hui, là, moi je l'assume. Nos hommes de Dieu, nos imams, nos pasteurs, nos évêques ont fait trop de tort à ce pays aussi. Ils ont participé à un certain moment donné à faire de ce pays ce qu'il est. Ici, dans les pays développés, la religion est le quatrième pouvoir. La religion est un pouvoir puissant pour créer les conditions de stabilité dans des pays. Les gens ont pris la religion pour éduquer les masses. Les gens ont pris la religion pour transformer les consciences. Jésus-Christ a pris la parole. C'est par la parole que Jésus a soigné les cœurs, a transformé les cœurs. Malheureusement, chez moi, l'Église ne joue pas franc jeu. Pourquoi je parle aujourd'hui au cardinal? Et en même temps, je m'adresse à l'Église catholique. Que je respecte beaucoup nos aînés. Mais sous vos yeux, nombreux d'entre nous ont été tués. Sous vos yeux, des gendarmes ont été tués. Des policiers ont été tués. Des militants ont été tués. Des citoyens ont été tués. Des enfants ont été tués. Sous vos yeux, vous les hommes de Dieu. Parce que dans votre pays, en Côte d'Ivoire, vous ne faites pas de sorte que les hommes politiques vous respectent. Vous, les hommes de Dieu. Vous ne faites pas de sorte que les politiques vous respectent. Et ça, j'ai vraiment mal. Regardez aujourd'hui au Ghana. Au Ghana, les rois et chefs coutumiers sont respectés par les hommes politiques. Rawlings et tous les autres chefs d'État, quand ils vont chez le roi de Kumasi, là, ils enlèvent leurs chaussures. Ils ont tous du respect pour les rois et chefs coutumiers et les hommes de Dieu. Chez nous, en Côte d'Ivoire, les politiques ne respectent pas les hommes de Dieu parce que les hommes de Dieu eux-mêmes, là, ils ne sont pas crédibles. Dites-leur que c'est moi qui dis ça. Ils ne sont pas crédibles, nos hommes de Dieu. Et moi, ils me font honte. Désolé, mais vous me faites honte. Vous avez participé à détruire notre société. Je ne suis pas d'accord. Dieu, c'est la justice. L'Église doit faire la promotion de la justice. L'Église doit encourager le chef de l'État. L'Église doit encourager le chef de l'État à créer les moyens pour rendre notre justice forte. L'Église doit faire la promotion de la justice. Ce n'est pas l'Église qui doit passer toujours son temps à dire libérer les prisonniers, libérer les prisonniers, libérer les prisonniers. C'est de l'injustice. Et ceux qui ont été arrêtés depuis 2002. En 2010, il y a eu une guerre. Ceux qui ont été arrêtés dans la guerre, l'Église a fait quoi? Les débobrés, les généraux, certains sont en prison. Les gens sont en prison. L'Église a fait quoi? On arrête Johnson. Des écoutes graves. Attendez.
des écoutes où quelqu'un dit lui il a la télécommande. Il a infiltré le pouvoir d'Abidjan. Il a infiltré le palais jusqu'à la moelle épinière. Lui, il a la télécommande. Une fois qu'il a pu, là, le pays s'explose. Le président Ouattara s'explose, il quitte le palais. Vous, les hommes de Dieu, vous avez écouté ça. Vous avez écouté ça. Et c'est vous qui demandez au chef de l'État de libérer son, de libérer ces députés qu'on appelle les députés. Mais les députés, là, ne sont pas au-dessus de la loi. Eux-mêmes qui ont voté les lois, là, ils ne sont pas au-dessus de la loi. Je vais vous lire ce que la loi dit sur ces mêmes députés. Vous connaissez tous la loi. Ce n'est pas parce qu'ils sont ministres, ils sont ceci, ils sont cela, qu'ils sont au-dessus de la loi. Je vais vous faire écouter d'abord quelque chose que j'ai réservé pour vous, pour le cardinal. Après, on va revenir sur Gueux Michel. Gueux Michel, là, on va revenir sur lui. Parce que lui, Gueux Michel, voilà ce qu'il a dit. Gueux Michel dit dans son interview accordée par le journal Le Réveil. Gueux Michel dit, on lui demande à l'approche des élections de 2020, des voix s'élèvent au sein de votre parti pour souhaiter la... Non, c'est pas là. Ça, c'est déjà... Bon, lui, il est déjà d'accord pour la candidature de Bédier. Ça, c'est pas un problème. Il a déjà confirmé ici que Bédier sera candidat. Voilà. Il a déjà confirmé, voilà. On dit, que pensez-vous? Non. Ça veut dire quoi ça? Il y a pas encore... Ah, il y a une feuille qui est restée là. Ah, d'accord. On demande à Gueux Michel. Le journaliste lui demande en plus... Attends. En plus de Laurent Gbagbo et de Charles Blegoudé, condamnés par la justice ivoirienne, un mandat d'arrêt international est lancé contre Diom Soro. Diom Soro, cela est interpellé par la volonté du pouvoir d'écarter des adversaires politiques. Partagez-vous cette opinion. Gueux Michel dit, si j'ai un appel à lancer au président de la République, si j'ai un appel à lancer après celui du cardinal Courtois, c'est celui de l'apaisement et lui dire qu'il gagnerait à libérer ceux qui sont à la Macaé ailleurs. Je crois que ça se fera un jour. Ça se fera bon pour le voilà pour le moment. Ça sera bon pour le moment. Et c'est pour qu'on applaudisse des deux mains parce qu'il aurait libéré des prisonniers. Ce serait bon pour toute la Côte d'Ivoire qu'il libère ceux qui sont actuellement en prison. Je demande également au président Ouattara pour la préservation de la paix et de la cohésion sociale, de faire en sorte de lever le mandat d'arrêt contre Diom Soro. Pour la préservation de la paix et de la cohésion sociale, de faire en sorte de lever le mandat d'arrêt contre Diom Soro. Chers amis, c'est ce point-là qui m'a interpellé. C'est pour ça que je vais parler à notre frère Gueux Michel. Mais on va finir, puisque chez vous là-bas, vous dites qu'on ne peut pas mettre député en prison. Soro, ils sont députés, ils sont présidents de l'Assemblée nationale, ils ont été des cadres importants dans le pays. Moi, je vais vous montrer une première vidéo. Une première vidéo pour voir ce qui se passe dans le monde. Comme ça, on va commencer à être lucides, nous tous. Nous tous, on va commencer à être lucides un peu, parce que c'est important. C'est important que nous soyons lucides dans ce pays. Alors, je vais vous montrer une vidéo. C'est une première dans l'histoire de la... Une vidéo, vous allez écouter, vous allez voir Nicolas Sarkozy jugé pour corruption. A fait des écoutes. Nicolas Sarkozy, jugé pour corruption. Nicolas Sarkozy a été ancien président français. C'est lui qui a mené la guerre de la Libye, Nicolas Sarkozy.
Il a pris l'argent de Kadhafi. À faire des écoutes téléphoniques, Nicolas Sarkozy doit retourner encore devant la justice. Chez nous, il y a des gens qui se battent pour que Soro et tous ses proches soient libérés parce qu'ils sont députés. Nicolas Sarkozy a été président de la République française. Écoutez bien. République, un ancien président sera jugé. C'est une première dans l'histoire de la 5e République. Un ancien président sera jugé pour corruption. Il s'agit de Nicolas Sarkozy et c'est l'affaire dite des écoutes téléphoniques. Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir tenté d'obtenir, début 2014, via son avocat, des informations secrètes auprès d'un haut magistrat en échange d'un coup de pouce en faveur de ce magistrat. L'instruction a été émaillée de nombreux recours jusqu'à ce mardi où la Cour de cassation a rejeté les derniers recours formulés par l'ancien chef de l'État. Cela ouvre donc la voie à un procès devant le tribunal correctionnel pour corruption et trafic d'influence, un procès qui devrait se tenir à Paris dans les prochains mois. Alors, chers amis, moi je suis là pour vous aider à comprendre les choses. Je suis là pour vous aider à comprendre les choses parce que c'est important. Nous voulons créer un état de droit. Le président Ouattara, il a fait les États-Unis. Le président Ouattara a fait les États-Unis. Le président Ouattara sait ce que c'est que la justice aux États-Unis. Son seul mal, parce que c'est parce qu'il est dans un pays où les gens ne comprennent rien. Il est dans un pays où les gens ne comprennent rien. Ils ne cherchent même pas à évoluer. Ils ne cherchent même pas à changer de mentalité. La vraie peine, c'est la justice. La vraie peine, c'est la justice. Quand tout ce, ça dit que tout ce qu'on va faire, si on laisse ça dans les mains de la justice, ça va canaliser les individus. Ça va canaliser les individus. On va se battre jusqu'à ce que Soro soit arrêté et jugé. Je vais dire d'abord, regardez la mort de Guy Robert. Monsieur le cardinal, moi, Zasso, je suis ici pour vous poser des questions. Guy a été tué. Mon cardinal, Guy a été tué. Guy a été tué à la cathédrale Saint-Paul. Guy. En 2002, Guy a fui. Il allait à la cathédrale se réfugier. Mon cardinal, en 2002, Guy a fui. Il allait se réfugier à la cathédrale. Guy Robert. Guy Robert a fui. En 2002, il allait se réfugier à la cathédrale. Dans ce monde où nous sommes là, quand il y a des grandes guerres, il y a des situations graves. Quand les gens fuient, c'est à l'église qu'ils vont se cacher. C'est à l'église qu'ils vont se cacher. Et l'église les protège. Chez nous, Guy Robert, mon frère de l'Ouest, président de la République, chef de l'État, Guy Robert, qui a été chef d'État-major, un homme important qui a travaillé sous feu poigné, Guy Robert est rentré à la cathédrale. Guy Robert, on l'a pris à la cathédrale. Guy a demandé pardon. Il s'est mis en genoux. Il a dit au temps du cardinal, l'autre qui est mort, Guy a dit, pardonnez, ne me tuez pas. Ne laissez pas les enfants m'amener. Devant vous, les hommes de Dieu, à la cathédrale, alors que le pape est ici, en Italie, l'église catholique n'est pas n'importe quoi. L'église catholique n'est pas n'importe quoi. Mais on a pris Guy à l'église catholique. On a pris Guy à l'église, à la cathédrale d'Abidjan. Les gens ont extrait Guy. Ils sont allés tuer Guy Robert. Je vais ramener mon discours. C'est pour ça que aujourd'hui, j'ai fait une vidéo spéciale sur nos hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Voilà Guy Robert. Guy a été tué. Nous, on s'est battus sous le régime Gbagbo pour que justice soit rendue pour Guy Robert. Les pro-Gbagbo ne nous ont pas écoutés. Je ne pouvais pas accepter de la même manière qu'on a tué Boga Doudou. Boga Doudou s'est entêté. Il dit que lui, il va dialoguer avec Blaise. Au sein du FPI, on dit qu'il ne faut pas Boga va discuter avec Blaise. Boga Doudou s'est entêté et Djibril Bassolé l'a payé. Djibril Bassolé a dit Boga Doudou. Il y a une rébellion qui se prépare. On a déjà parlé à Gbagbo. On a déjà tout dit. Toi, tu es le ministre de l'Intérieur. On fait quoi? Boga Doudou dit, je viens en France. Djibril Bassolé dit, il faut qu'on se retrouve en France. Urgentement pour régler le problème, pour mettre fin à cette rébellion. Les cadres du FPI ont dit, ils ne dialoguent pas avec les rebelles. Les cadres du FPI ont dit, ils ne dialoguent pas avec les rebelles. Boga Doudou s'est entêté.
Il a pris son vol, il allait en France rencontrer Djibril Bassoli. Dès son retour, Boga Doudou a été tué. Boga Doudou a été tué. Boga Doudou a tenté même de sauter sa clôture. On l'a tué. Qui l'a tué? Jusqu'à présent, on ne sait pas. On ne sait pas. Même les parents de Boga Doudou, sa femme, a dit, il faut que justice soit rendue pour mon mari. Il faut que justice soit rendue pour mon mari. Le Gbagbo et son camp ont fermé leurs oreilles. Ils n'ont pas cherché à savoir qui a tué Boga Doudou. Les propres Gbagbo hypocrites qui parlaient de justice. Vous, le FPI qui parlait de justice. Nous, on s'est battu pour que Boga Doudou, son problème soit réglé. Parce que pour nous, c'est un ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas normal dans une république qu'on assassine un ministre de l'Intérieur. En Côte d'Ivoire, un ministre de l'Intérieur a été assassiné. On n'a pas fait parler de justice. Aujourd'hui, la mort de Gueye, il a fallu que le président Ouattara soit au pouvoir pour qu'on sache qui a tué Gueye. Il a fallu que le président Ouattara soit au pouvoir pour qu'on sache qui a tué Gueye. Alors que quand Gueye est mort, on dit que c'est Ouattara qui l'avait tué. Quand Gueye a été tué, on dit que c'est Ouattara qui l'a tué. C'est Ouattara qui a tué Gueye. C'est Ouattara qui a tué. Et on a mis ça dans nos têtes pendant des années. C'est Ouattara qui a créé la rébellion. C'est Ouattara qui a tué Gueye. Moi, j'ai dit aux gens, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. On ne peut pas me faire avaler ça. On ne peut pas me dire sans preuve que c'est Ouattara qui a tué Gueye. Je ne peux pas accepter. Parce que le président Ouattara lui-même, on a tenté de l'assassiner. Le président, dès qu'on a fini d'assassiner Gueye Robert, les gens ont pris leur chose, ils sont allés directement à la résidence du président Ouattara. Je suis allé là-bas à Blocos, j'ai vu sa résidence. Sa résidence a été pillée. Si les gens avaient trouvé Ouattara à sa résidence, ils allaient l'assassiner. Le président Ouattara a été sauvé. Mon cardinal, je vais vous montrer la vidéo parce que je vais montrer cette vidéo sous le régime Ouattara où il y a eu justice pour Gueye Robert. Parce que ça sert le sens de notre combat. Nous là, on ne veut pas qu'on nous tue demain. Le combat que nous menons, c'est pour nous-mêmes. Demain, moi, je peux rentrer en Côte d'Ivoire. Vous avez vu une fois, je suis allé en Côte d'Ivoire. Rien que seulement pour aller présenter l'université de Côte d'Ivoire. Parce que les gens ont dit, le président Ouattara ne travaille pas. Il ne fait rien pour les étudiants. Je suis allé à l'université. J'étais à l'université. Et les pro-Soro et les pro-Soro envoyaient des gens venir m'agresser. Des bois, des machettes. Les gens ont failli me tuer à l'université. Les gens ont failli me tuer à l'université. Ils ont failli me tuer. Ils étaient nombreux. Pendant des heures, je suis resté devant eux. Aujourd'hui, mon combat, c'est que justice doit être faite dans notre pays. Cardinal Jean-Pierre Coutois, il faut sortir des affaires de justice. Vous et l'Église, sortez des affaires de justice. Parce que vous étiez dans ce pays, vous êtes sur les réseaux sociaux, on nous agresse pour nos opinions politiques. On nous agresse parce qu'on a voulu faire une vidéo pour présenter aux Ivoiriens que voilà ce que le président Ouattara a fait de l'université, on a failli me tuer. Oui, nous sommes aussi des leaders d'opinion, nous sommes des fils de la Côte d'Ivoire. On nous agresse, on nous humilie, même à la résidence de Gbagbo en 2004, on a failli me tuer. Il faut que dans ce pays, on mette fin à ce genre de comportement. Il faut que nous soyons libres de dire ce que nous voulons. C'est pour ça que nous nous battons. Pour que la justice soit au cœur de tout, personne ne sera libéré. Tu as commis tes crimes, tu prends tes avocats, tu vas aller te défendre devant la justice. Et le pouvoir ne fera pas l'erreur d'amnistier qui que ce soit. Et je dis, je présente toutes mes excuses au chef de l'État pour tout le respect que j'ai pour vous et j'ai pour votre pouvoir politique. Ne vous trompez pas à rentrer dans les jeux d'amnistie. Ne vous trompez pas à rentrer dans les jeux des hommes de Dieu. Parce que ces hommes de Dieu, ils ne sont pas sérieux. Oui, je le dis, j'assume, ils ne sont pas sérieux parce qu'ils ne nous protègent pas, ces hommes de Dieu. Mais vos fidèles qui sont dans les églises, ils ont besoin. Si ceux-là, on ne les amène pas devant la justice, on les amnistie, il y a eu la rébellion, ils ont été amnistiés. Ils se sont levés, ils sont allés s'impliquer dans les problèmes au Burkina, déstabiliser le Burkina. Toi, le cardinal, tu as les écoutes. Tu sais ce que Soro a fait au Burkina. Mais un homme de Dieu sérieux, là, il doit dire à l'État de Côte d'Ivoire, il doit même interpeller les hommes politiques pour leur dire, il faut que les députés vous levez pour qu'on écoute Soro dans cette histoire du Burkina. Parce que dans vos églises, là, églises et mosquées, là, c'est des milliers d'Ivoiriens qui sont dedans. Ils ne sont pas forcément des partis politiques. Ils ne sont pas forcément des... Ceux-là, ils ont besoin de stabilité, ils ont besoin de paix. Pour ces gens-là, il faut la stabilité, il faut la paix. Non, les hommes de Dieu ne peuvent pas penser leur temps. À chaque fois que des gens, les gens veulent déstabiliser les régimes politiques, mais vous savez, vous, les hommes de Dieu,
Parce que la nuit, ils viennent vous voir. Ces hommes politiques, ils viennent chaque jour chez vous. Ils mangent avec vous. Vous connaissez tous leurs projets. Vous connaissez leurs projets. Quand ils finissent de faire des choses chez vous, tu courais les premiers. Non, libérez-les. Mais et les autres que tu sont en prison là, pourquoi vous ne demandez pas leur libération? Et les enfants, les jeunes qui sont dans les prisons, parce qu'il a volé banane, il a volé sac de riz, il a volé sac de manioc, on les met en prison. Pourquoi vous ne demandez pas qu'on ferme toutes les prisons, qu'on libère tous les Ivoiriens? C'est injuste ce que vous faites, monsieur le cardinal. C'est injuste et ce n'est pas la volonté de Dieu ce que vous êtes en train de faire. Parce que Dieu lui-même aime justice, aime la justice. Jésus-Christ s'est révolté dans une église parce qu'il n'aime pas le désordre. Jésus-Christ n'aime pas le désordre. Le Christ lui-même que vous adorez, que vous louez, n'aime pas le désordre. Vous, vous encouragez des gens qui aiment le désordre et qui veulent déstabiliser des régimes politiques. Qui se débattent à déstabiliser des régimes politiques pour retarder nos états. Les coups d'état et les rébellions retardent le développement des pays. Les coups d'état et les rébellions retardent le développement des pays. Aujourd'hui, le président Ouattara s'est trop battu. Il s'est battu pour relever ce pays, un pays qui a connu une crise, violente crise. En si peu de temps, il a fait de ce pays un grand pays. C'est pas, on n'a pas besoin de l'aimer, mais il fait un excellent travail. Il fait un excellent travail, c'est l'image de notre pays, il est en train de grandir. Tout ça, là, il est en train de faire, après il s'en va. Ça sera là pour nos générations. Donc son combat, là, c'est notre combat. Monsieur le cardinal, si moi je vous parle, ici, là, dans les pays développés, là, les hommes de Dieu ne se mêlent pas des affaires juridiques. Les hommes de Dieu ne se mêlent pas des affaires juridiques dans les pays développés. De grâce, laissez la justice faire son travail. Vous êtes prêtres, vous êtes les cardinaux et autres, restez dans votre affaire de Dieu. Allez-y prier, laissez la justice faire son travail. Vous allez écouter Guy Robert. Je vais ramener ça parce que c'est important qu'on revienne en arrière sur l'histoire. Parce que quand on va revenir en arrière, les gens vont commencer à prendre conscience. C'est ça, parce que moi, je préfère toujours revenir dans le passé pour amener les gens à prendre plus conscience. Voilà, Guy Robert. David Jean a ouvert une enquête sur les circonstances de l'assassinat du général Robert Guy. Une minute. Une minute. Voilà, on revient sur Guy Robert. Trouvé mort au petit matin du 19 septembre 2002 sur le boulevard de la Corniche dans la commune de Cocody. David Mobio. Le corps sans vie. Attends, où est le son là? Je vais mettre le son. En bordure de route vers la Corniche. Septembre 2002, a ouvert une enquête sur les circonstances de l'assassinat du général Robert Guéhi, ex-chef d'État. Il a été retrouvé mort au petit matin du 19 septembre 2002 sur le boulevard de la Corniche dans la commune de Cocody. David Mobio. Le corps sans vie du général Guéhi Robert a été abandonné en bordure de route vers la Corniche ce 19 septembre 2002, 3 ans après sa prise du pouvoir en décembre 1999, pouvoir qu'il a cédé sur la pression en octobre 2000 après l'élection présidentielle. Sa femme, son aide de camp et plusieurs membres de son entourage avaient été assassinés en même temps que lui. Le général Guy Robert a dirigé la junte militaire installée en Côte d'Ivoire après le coup d'État du 24 décembre 1999 contre le président démocratiquement élu Henri Konan Bédié. Se défendant d'en être à l'origine, le général Guy Robert prend cependant la tête du CNSP, le Conseil national du salut public, avant de former un gouvernement avec les principaux partis de l'opposition. En 2002, il quitte donc le pouvoir et se réfugie à Gouessé-Sisso, mais reste une personnalité politique. À ce titre, il participe avec l'actuel président de la République Alassane Ouattara et les ex-présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo au Forum des réconciliations nationales en 2001. La même année, Robert Guéhi crée l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 10 ans après sa mort, pour faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé, le procureur militaire a annoncé l'ouverture d'une enquête
à la demande de sa famille et des ayants droit du général Guy Robert, assassiné le 19 septembre 2002 à l'âge de 61 ans. Merci. Vous avez vu, vous-même, vous avez vu Guy Robert, chef d'État. Il a été assassiné. Guy est rentré à la cathédrale. À la cathédrale, les gens ont cherché Guy. Les gens ont cherché Guy. Guy a dit au cardinal qui est mort, tous ces Kakutois, leur groupe-là, il a appelé tout le monde. Guy a demandé pardon. Les gens sont rentrés à la cathédrale. Ils sont allés, ils ont pris Guy. Guy, où il était caché là, personne ne pouvait le voir. Comment ça s'est fait que les gens ont pris Guy? Et l'église ne s'est même pas encore prononcée jusqu'à présent. Quelqu'un qui rentre à la cathédrale, un chef d'État, des militaires rentrent à la cathédrale. Ces militaires n'ont pas le droit de rentrer à la cathédrale, extraire un chef d'État et puis aller l'assassiner, le jeter quelque part. C'est pas un Ivoirien. Guy aussi est un Ivoirien. Guy, c'est un Ivoirien, c'est un père de famille. Ils sont allés le prendre des gens zélés. Des gens zélés sont allés prendre Guy, ils l'ont assassiné. Et je vois certaines personnes qui sont là, qui bavardent au nom de certains individus. Mais Guy aussi, c'est un père de famille. Vous allez écouter le produit. Vous allez écouter la deuxième partie. Le commissaire du gouvernement. C'est pour ça que j'ai dit merci. Pourquoi je soutiens Ouattara, c'est ça. Parce que lui, il est sérieux. Le président Ouattara, c'est un homme sérieux. C'est un homme sérieux. Il sait ce qu'il veut. Il dit, comme vous m'avez accusé à faire des gays là, on va voir clair dedans. On va voir clair dans faire des gays là. C'est Ouattara qui a tué Gueye. C'est Ouattara qui a fait rébellion. C'est lui qui a tué Gueye. C'est Ouattara qui a tué Gueye. Mais voilà la vérité qui va sortir. La vérité va sortir. Écoutez bien. Quand Gueye est mort, moi j'ai parlé de ça avec Lida Kwasi. J'ai parlé de la mort de Guy Robert avec Lida Kwasi. Sous Gbagbo, il y avait des gens zélés. Sous Gbagbo, il y avait des gens qui n'avaient aucun respect. Comme ils ont la tenue militaire, on les a nommés. Ils ont la tenue militaire, ils se permettaient tout. Ils ont la tenue militaire, ils se permettaient tout. Mais diacre, c'est quoi ces soldats, ces généraux, ces officiers qu'on forme dans des pays? L'État prend assez d'argent, on vous forme. Vous prenez les armes de la République et vous tuez des Ivoiriens. Des soldats qui font des coups d'État, qui font des rébellions, qui déstabilisent et qui n'ont aucun respect pour le peuple. Mais l'armée, les tenues que vous portez, c'est au nom du peuple que vous portez ces tenues. Les gens qui ont les entreprises et tout ça, qui payent les impôts, ont créé les conditions pour que vous, les soldats, là, vous soyez dans de bonnes conditions. C'est pour qu'eux, ils aient la tranquillité. Ils aient la paix. Vous êtes dans l'armée au nom de Gbagbo. Vous êtes dans l'armée au nom de Sol. Mais c'est quoi cette bêtise-là? Vous, dans vos formations, on ne vous a rien appris. Une armée doit être républicaine. Une armée doit défendre le peuple. Une armée doit défendre les citoyens. Une armée n'humilie pas le citoyen. Chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est devenu récurrent. On a tué Guy Robert. Il s'est caché jusqu'à dans un trou. Ils ont pris les armes, ils sont allés, ils l'ont pris là où... Et c'est l'église qui a livré Guy. C'est l'église qui a livré Guy. Ils n'ont qu'à venir nous dire le contraire. C'est Koutoua qui dit on n'a qu'à libérer les prisonniers. Ces gens qu'on a mis en prison, ils voulaient faire un coup d'État. Les Soro Kanigi vont à Port-Bou et disent que quand ils vont prendre le pouvoir, là, les pro-Ouattara seront en exil. C'est toi devant le toi le cardinal, tu es là et puis les gens font des discours incendiaires. Les gens menacent. Ils menacent la République, l'Alain Lobognon, alors que l'Alain Lobognon a participé à la rébellion ici. Est-ce que tu les as eu fait affaire à soi pour dire les frères, devant Dieu, vous avez fait aussi la rébellion. Mais sachez que cette rébellion l'a tué des innocents. De grâce, mettez beaucoup d'eau dans vos veines. Parce que la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Vous, les hommes de Dieu, vous êtes là, vous êtes muets. Parce que la nuit, ils viennent vous donner des enveloppes. Ils viennent vous donner des enveloppes, ils font vos affaires. Mais ce n'est pas bien, vous, les hommes de Dieu. Je ne suis pas content de vous. Je ne suis pas content de la manière dont les hommes de Dieu se comportent en Côte d'Ivoire. Battez-vous pour que le peuple que vous gérez dans vos églises, ces gens aient la stabilité, la paix et les gens aient du travail. Il ne faut pas qu'on exploite les peuples. L'église n'a pas ce travail. L'église doit être dans la vérité.
Dans mon pays, l'église est purement politique. Quand les régimes politiques sont là, l'église se range. Non, mais c'est vous qui devez défendre nos droits. Vous, l'église, vous deviez parler. Ici, on sait ce qu'on appelle l'église. Chez nous, c'est pour exploiter les peuples. Aller faire croire aux fidèles que oui, eux, ils vont les amener au ciel. Ils vont changer leur vie. Ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Comment dans un grand pays comme la Côte d'Ivoire, on a assez d'églises et la pauvreté est là. On a assez d'églises et les citoyens sont pauvres. Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de paix. Il n'y a même pas d'éducation. Ça veut dire que l'église a raté sa mission. Parce que 80% des gens qui sont à Abidjan sont vos fidèles. Ils sont vos fidèles. Ils sont vos fidèles. Les églises sont remplies matin, midi, soir. Tous les dimanches, vos églises, mais il n'y a pas. Toujours, c'est ce pays-là, on dit, on va faire coup d'État. Mais quel est le rôle de l'église dans cette histoire? C'est parce que vous, les hommes de Dieu, vous ne jouez pas franc jeu. On a tué Gueye. Je n'ai pas vu l'église dire, il faut justice. On va voir. Vous allez écouter ici. Les gens veulent faire coup d'État contre Ouattara. Toi, tu sais, tu dis, on n'a qu'à les libérer. Parce qu'ils sont députés. Puis quoi? Ils sont députés, puis quoi? Ceux-là, ils étaient dans la rébellion, puis on a fait deux députés. Les Soro Kanyidi, là, à Korogo, ils ont tout pillé là-bas, mais ils sont devenus députés. Des gens qui ont commis beaucoup de désordres dans le Nord, c'est eux qui sont députés de la République. C'est une honte. C'est une honte. Moi, je dis, c'est une honte que ces gens-là soient députés. C'est une honte. Regardez, ils sont à l'image. Parce qu'ils sont à l'image. Ils sont à l'image de ce qu'eux-mêmes ont été. Ils sont à l'image de ce qu'ils ont été. Des gens, à un certain moment de la vie, vous êtes conscients que vous avez fait des bêtises. Et vous êtes là, les députés de la République. C'est vous qui allez nous représenter. Vous, là, vous ne pouvez pas me représenter. Vous n'êtes pas, moi, mes députés, là, vous n'êtes pas les députés du Côte d'Ivoire. Des gens qui ne respectent même pas la loi qu'ils votent. Des gens qui menacent un chef de l'État, qui insultent un chef de l'État, qui n'ont aucun respect pour les institutions. Et c'est eux qui votent des lois. Co-députés, députés, on ne peut même pas respirer. La loi dit, on doit lever ça, on ne doit pas faire ça. Le procureur, c'est vous qui connaissez la loi que le procureur. Vous là, vous connaissez la loi que le procureur. Le procureur, d'où il a fait l'Europe. Il connaît la loi. Il connaît la loi. Et puis s'il veut même appliquer la loi, là, vous là, votre de tenue de député, là, on va vous enlever tout ça. Les macarons que vous portez, là, on va vous enlever. Parce que vous étiez dans la rébellion ici. On sait comment vous avez humilié nos parents. Quoi, on est député. Et ils n'ont pas de respect. Dès que le président Ouattara a pris le pouvoir, eux tous se coupent pour être députés, pour se couvrir. C'est-à-dire leur péché là, pour cacher ça, ils se cachent derrière le titre de député. Alors qu'ils savent qu'ils ont fait du tort. Ils ont fait du tort dans ce pays. Ils se cachent derrière le titre de député pour couvrir leur péché. C'est pas sérieux. Et il y a des gens qui les soutiennent. Il y a des gens qui les encouragent, qui les applaudissent. C'est ça, vous dites, vous êtes intellectuels. C'est ça, les intellectuels. C'est ça, des intellectuels. Ici, en Europe, là. Si tu as participé à quelque chose de grave, là, tu ne peux pas être député, tu ne peux pas être maire. Tu ne peux pas être, même Ghana, là, tu ne peux pas. Ghana, si tu as volé, là, tu ne peux même pas être député, ni maire. Chez nous, les Soro Kanyidi, étudiants, à Korogo, tout coton de nos parents, là, ils ont tout volé. Soro Kanyidi est député, c'est lui qui insulte les gens. Soro Kanyidi qui a fait par là, la fessie jusqu'à, ils sont dans leur parlant pendant des années, hein, les Soro Dion. C'est ceux-là qui sont députés de la République et puis nous représentent. Mais comment notre pays peut être comme ça? Comment le pays peut être comme ça? Et on valide leur candidature. Ces gens-là, on valide leur candidature, on dit qu'ils sont députés. Il faut que nos autorités qui sont au pouvoir, là, de grâce, prenez-nous au sérieux aussi. Ceux qui sont à la tête de la CEU et autres, là, prenez-nous au sérieux. Il y a des candidatures là. Il faut maintenant les filtrer. Il faut les faire passer comme sauce graine. Quand on pile graine, là, qu'on fait tamis, qu'on fait comme ça. Il faut que les choses soient comme ça avant que maintenant on ait des députés. Cette année-là, nous, on va vous suivre maintenant. 2020 qui arrive là, si on dit il y a élection, députation, mais le combat qu'on va soulever là, ça va vous surprendre. Ceux qui seront députés, on va fouiller dans leur vie. Ceux qui seront maires, on va fouiller dans leur vie. On ne va plus se laisser faire. Voilà. Dans l'affaire de l'assassinat du général Robert Guéhi, le commissaire du gouvernement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal. Dans l'affaire de l'assassinat du général Robert Guéhi, le commissaire du gouvernement a annoncé ce lundi l'inculpation de 4 officiers. Parmi ces personnes inculpées, le commandant Seka Yapo Anselme et le général Dogoblé Denis. Hugues Hervé pour les détails.
PULP dans l'affaire assassinat du général Guy Robert, le commandant Sekaya Poinselma, le général Doboblé et deux autres officiers de l'armée ivoirienne. L'enquête est vite terminée parce que, expliquera le commissaire du gouvernement, les principaux suspects sont tous arrêtés et en détention, donc entre les mains de la justice. Nous avons inculpé commandant Sekaya Poinselma pour enlèvement et assassinat. Nous avons inculpé le général Doboblé, le lieutenant-colonel Kate Nyatoa et le capitaine Sakanoko Mori, l'ex-officier adjoint du SECOS, qui a été arrêté dans cette procédure d'enquête pour rechercher les assassins du général Guy Robert. Dans son audition, le commandant CKCK avait déclaré que c'est le général Doboblé, qui était colonel au moment des faits, qui avait arrêté le général Guy Robert à la cathédrale au plateau. Et quand il est arrivé sur le lieu de l'arrestation, le commandant Seka Anselme a demandé à Doboblé de lui remettre le général de Guéhi, ce qui fut fait. Il a ensuite conduit le général Guéhi vers la corniche. Il a exécuté et a abandonné le corps sur le lieu. De retour à la résidence du... Il a pris le général Guéhi. Et ce que vous ne savez pas, chers Ivoiriens, ce que vous ne savez pas, moi je vais vous dire. Il dit, je suis là pour vous dire les choses de façon claire. Maintenant, vous détriez. Vous triez votre pays, là, c'est notre pays à nous tous. Voilà, ici en Europe, là, c'est un petit groupe qui réfléchit et qui impose la paix. Dans les plus les grands pays du monde, la Russie, partout, c'est un petit groupe qui réfléchit et qui impose la paix. Ce n'est pas à négocier. Oh, je suis arrivé dans ces jours-là. C'est quoi ça, là? C'est le temps, hein? C'est le temps. Ce n'est pas de ma faute, oh, excusez-moi. C'est le temps. Chers amis, je vais vous dire la vérité. Lida Kwasi, moi j'ai parlé à Lida Kwasi de cette histoire de Guéhi. Lida Kwasi, quand la femme de Guéhi appelait Lida Kwasi, c'est la femme de Guéhi qui appelait Lida Kwasi. Elle a dit à Lida, mon mari est à la cathédrale. Pardon mon grand frère, protégez mon mari s'il vous plaît. La pression est forte, protégez mon mari s'il vous plaît. Je parle parce que je suis un homme politique. On ne sait jamais. On ne sait jamais parce que toutes nos vies sont en danger. En Côte d'Ivoire, sous Gbagbo en 2004, j'ai été poursuivi par les fascistes à la résidence de Gbagbo. C'est le grand frère, comme il s'appelle, comment on appelle ça? Le ministre, c'est son nom qui m'échappe à chaque fois, qui m'a protégé. Il était dans l'histoire des droits de l'homme, là, comment il s'appelle, mais son nom là m'échappe. Bléou Matin. Ce sont les soldats de Bléou Matin en 2004, à la résidence de Gbagbo, qui m'ont protégé. La nuit, des étudiants sont venus avec des machettes. Ils ont failli finir ma vie. C'est pour ça que je ne peux pas accepter dans mon pays que des histoires de négociations, des gens qui sont impliqués dans des coups, qui veulent tuer, qui assassinent, qui sont comme des dieux en Côte d'Ivoire, qui ôtent la vie aux gens, soient protégés par des hommes politiques, soient protégés par des systèmes. Ce n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas bien pour l'image de notre pays. Nous méritons respect. Nous méritons respect. Ils ont pris Guéhi, sa femme a demandé pardon. Pendant que Lida Kwasi se débat à protéger Guéhi Robert. Lui-même, il était surpris. Les gens donnaient d'ordre. C'est-à-dire, Lida qui est ministre de la Défense, ils l'ont laissé et puis ils sont allés donner ordre d'ailleurs. D'autres personnes, ils ont laissé le ministre de la Défense, ils sont allés prendre leurs responsabilités. Ils sont allés prendre Guéhi Robert. J'ai parlé avec le journaliste qui est décédé de l'Ouest, comme il s'appelle, Paul Dotui au Ghana. J'ai dit à Paul Dotui, j'ai dit grand frère, donc vous avez tué Guéhi. Donc vous avez tué Guéhi. Est-ce qu'on avait besoin de tout ça? Une rébellion, vous savez que la rébellion est la résultante, est la conséquence du coup d'état de 99. Blaise Compaoré, c'était votre parrain. Blaise Compaoré vous a tout donné. Les enfants qui ont fait le coup d'état de 99, avec le soutien des cadres du FPI, je le dis et je le répète,
Quand les jeunes étaient dans les rues, qu'on appelait les mutins, les cadres du FPI étaient dans les rues avec ces mutins. Que nous, le FPI, on ne fait pas coup d'État. Nous, le FPI, on n'est pas dans la rébellion. Ce n'est pas moi, vous allez dire ça. Ce n'est pas moi, vous allez dire ça. Des partis politiques pleins d'hypocrites comme ça, ils sont hypocrites, ils sont malhonnêtes, ils ne sont pas sérieux. Ils sont hypocrites, ils sont malhonnêtes, ils ne sont pas sérieux parce qu'ils n'ont pas d'argument pour convaincre le peuple. Ils ne peuvent pas convaincre le peuple. Ils sont dans la haine, dans la violence. La haine, la violence. Quand eux, ils sont dans les problèmes, ils vont commencer à faire des vidéos pour crier. Les mêmes qui voulaient m'agresser hier à l'université. Quand Zasso, on agressait Zasso là, tous les réseaux, sociaux. Ah, les étudiants, on a failli tuer Zasso. Zasso aujourd'hui, là, ils font vidéo parce qu'on a mis leurs gens en prison. Vous voyez comment c'est injuste. Comment on peut faire la politique dans ce, avec ce comportement? Quand on veut tuer d'autres Ivoiriens, vous êtes contents. Quand d'autres Ivoiriens sont en prison, vous êtes contents. Quand c'est à votre tour, le ciel doit trembler, la Côte d'Ivoire doit trembler. Vous allez partir chercher les hommes de Dieu. Les imams, ils n'ont qu'à aller demander pardon à votre tour. Comme nous, on n'a pas d'hommes de Dieu, on n'a pas d'imams. On ne peut pas poser aussi nos problèmes. On ne peut pas construire un pays comme ça. On ne peut pas construire une république comme ça. Dans un pays où la fessie devient des dieux, les fessies sont des dieux. Ils tuent, ils violent, ils menacent, ils font du n'importe quoi et ils sont protégés par le régime FPI. Aujourd'hui, ils sont protégés par Soro. Ils sont protégés par Soro. Ils veulent faire coup d'État pour ramener leur voyousie. Mais on ne va pas les laisser. On va se battre pour que ce pays connaisse la tranquillité. Pays-là, c'est pour nous. C'est la terre aussi de nos ancêtres. C'est là qu'on est né. C'est là que nos nombrils ont été enterrés. On ne va pas se laisser faire. Dites-leur, ces voyous, ces délinquants qui pleurent là, dites-leur que fait-il, ils ne vont pas diriger ce pays. Combien ils ont commencé là, on va terminer. On va terminer. Nous, c'est sur le président Ouattara en compte. C'est sur le président Ouattara en compte. Il a fait les États-Unis. Ces cadres qui sont autour de lui, il n'a qu'à leur donner des conseils. Que moi, le président Ouattara, je suis maintenant au pouvoir. C'est sous mon régime que je dois créer les conditions d'une vraie stabilité. Je dois faire de sorte que la justice soit une justice pour que tous les Ivoiriens, les faibles, c'est-à-dire les assauts, quand ils rentrent dans le pays, là, quand Zasso parle, il ne faut pas, on va le tuer demain. C'est ce combat-là que nous menons. Et nous allons soutenir le président Ouattara dans ça. Il faut qu'on le soutienne pour ne pas que demain, des gens se lèvent, ils vont aller t'agresser à ta famille. Ils vont aller tuer ta famille. Ils vont aller tuer tes parents. C'est quoi ce monde? On a fait ça à Boaké pendant des années. 10 ans de pouvoir. On allait prendre les gens à Boaké, on les a tués, massacrés. Oh, les mêmes la veulent devenir président aujourd'hui. Et des gens sautent pour eux. Les pro-babos sont derrière eux aujourd'hui. Vous, vous avez combattu Soro dans ce pays. Aujourd'hui, Soro veut faire coup d'État. Vous, les pro-babos, vous êtes contents. Une opposition. On veut déstabiliser un pays et l'opposition est fâchée. Les opposants sont fâchés. Pourquoi ils n'ont pas réussi le coup d'État? Donc, ils sont fâchés. Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Chers amis, on continue. Allez, le procureur parle. Hein? C'est le procureur de la République. Ça, c'était Ange Kissi. Ange Kissi, il faut parler. Il va parler. Oh. Dites au procureur et au cardinal que Zasso dit. Il faut bien regarder sa vidéo. Là. C'est moi qui te parle, hein. Moi, c'est anglo-anglo. C'est moi qui te parle. Parce que tes histoires de libérer prisonniers, là, il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu attends que homme de Dieu, il faut que tu apprennes à nous respecter. Les hommes de Dieu, là, quittez dans l'affaire politique. Quittez dedans, on n'a pas besoin de vous dedans. Parce que vous, vous êtes des complices. Vous êtes coupables dans tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas sérieux. J'ai été au Ghana, je sais ce qu'on appelle les hommes de Dieu. Et là, quand les gens ils disent justice, 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 mais chez nous, comme Soro leur donne l'argent. Comme les présidents politiques leur donnent l'argent, leurs fidèles, là, ils font de sorte que les fidèles soient pauvres pour ne pas que les églises soient puissantes. Mais c'est les fidèles qui doivent cotiser pour l'église. Nous, créer les conditions de paix pour que les fidèles travaillent. Mais si vous aviez toujours tendre la main aux hommes politiques, on n'aura jamais la paix. On n'aura jamais la paix. Tant que vous, les hommes de Dieu, ces fidèles-là, ils peuvent changer l'histoire. C'est-à-dire, église musulmane, ces fidèles-là, ils sont plus de combien de millions? Ceux-là, ils dépassent les partis politiques. Si les hommes de Dieu-là, si tous ces fidèles-là disent demain en 2020, là, nous on soutient tel candidat, il passe au premier tour. Il passe au premier tour. Non, de leur donner de la valeur à vos fidèles. Ne fais pas d'eux des esclaves des hommes politiques. Où on n'a qu'à les libérer. Tu es juste, tu es procureur. Toi, couteau là, tu es procureur.
des cardinaux qui ne sont même pas sérieux. Qu'on n'a qu'à les libérer. Il faut encore dire ça. Va faire dans tes églises où tu es assis là. Il faut continuer ça encore. Mais nous, on va te répondre. On va te répondre. Si vous n'avez pas de respect, nous, on va vous dire ça. Toi, tu es dans le pays là, Soro fait du n'importe quoi. Il menace, il insulte. Il est en Europe ici. Il menace, il insulte le président Ouattara. Toi, le cardinal, tu ne parles même pas. Tous ces gens-là, Alain Lobogno, n'ont pas de respect. Tu ne parles pas. Dès qu'on les arrête, tu es le premier à aller t'asseoir devant tes fidèles qui sont assis dans Abidjan. Vos fidèles hypocrites aussi qui ne comprennent rien. Mais interpellez quand même vos hommes de Dieu que nous sommes dans un état de droit. On veut construire un état de droit. Donc, monsieur le prêtre, vous n'avez pas le droit de dire ça. On est dans un état de droit. Pourquoi vous voulez vous mêler des affaires de justice? Et ils veulent faire avaler ça à leurs fidèles à tout prix. Mais parmi ces fidèles, il y a des intellectuels. Vous aussi, dans vos églises, là, réveillez-vous aussi. On continue. Il est arrivé sur le lieu de l'arrestation. C'est qu'à Anselme, le commandant, nous avons inculpé le général Dogoblé, le lieutenant-colonel Katé Nyatoa et le capitaine Sakanoko Mori, l'ex-officier adjoint du SECOS, qui a été arrêté dans cette procédure d'enquête pour rechercher les assassins du général Guy Robert. Dans son audition, le commandant CKCK avait déclaré que c'est le général Dogoblé, qui était colonel au moment des faits, qui avait arrêté le général Guy Robert à la cathédrale au plateau. Et quand il est arrivé sur le lieu de l'arrestation, CK Anselme, le colonel CK Anselme, a demandé à Dogoblé de lui remettre le général Guy, ce qui fut fait. Il a ensuite conduit le général Guy vers la corniche. Il a exécuté et a abandonné le corps sur le lieu. De retour à la résidence du général Guéhi, il trouve son épouse assise au bord d'un caniveau tout près de la résidence. Sans autre forme de procès, il dégaine, tire et loge une balle dans la tête de dame Doudou Guéhi qu'il tue sur le champ. Deux militaires témoins oculaires ont été entendus. C'est tout cela qui a facilité l'enquête. Et ces militaires-là étaient présents au moment des faits et ont vu le commandant CK tirer une balle dans la tête de dame Doudou, épouse Guéhi. Interpellé pour s'expliquer, le commandant CK a dit qu'on lui a demandé pourquoi il a tiré sur Doudou Guéhi. Il a dit qu'il ne comprend pas pourquoi tous les autres proches du général Guéhi sont tués ou arrêtés et qu'elle seule était assise au bord de ce caniveau. Il s'est demandé pourquoi, qu'est-ce qu'elle faisait là. Donc ça l'énervait. Bon, voilà, il a tiré une balle à sa tête sans d'autres explications. Concernant le général Guéhi, il a justifié son assassinat par le fait que des renseignements lui sont parvenus selon lesquels le général Guéhi et M. Alassane Ouattara, alors président du RDA au moment des faits, en 2002, avaient, selon les renseignements du commandant CK, préparé et faisaient exécuter un plan pour renverser le régime de M. Gbagbo. Le commandant CK est donc inculpé pour enlèvement et assassinat de plusieurs personnes, dont le général Guéhi, son épouse, son aide de camp, le capitaine Fabien et bien d'autres proches de l'ancien président Guy Robert. Et il est également inculpé pour l'assassinat de l'ex-ex des camps de son excellence sous le président de la République au moment des faits. Le parquet pourrait requérir des exhumations dans le seul but de confirmer ou infirmer les déclarations des inculpés. Chers amis, voilà ça, oh, voilà ça. Voilà notre Côte d'Ivoire où les gens parlent de... Les gens veulent donner des leçons aux gens. Démocratie, démocratie, on ne peut même pas respirer. Démocratie, démocratie, on peut même pas, alors que c'est des faiseurs de coups d'État. Chers amis, allez-y dire au cardinal que Zasso dit. Il vous demande pardon. Moi, je demande pardon. L'église, là, ils n'ont qu'à rester dans leur église. Les docteurs n'ont qu'à faire leur travail. Les infirmiers, chacun dans ce pays-là, il faut que chacun soit à sa place. Restez à votre place. Ne mélangez pas les choses. Ne mélangez pas les choses. Le cardinal, tu as quand même écouté ces audios-là. Ça, là, tu as écouté quand même. Cardinal, tu as écouté ça. Comment le procureur de la République vient devant des journalistes dans le cadre d'une conférence de presse de démontrer avec des éléments de l'instruction comment effectivement il y aurait eu de tentatives de déstabilisation donc, du pays. Alors, que répondez-vous justement à leurs accusations et avec ce document audio qu'ils ont présenté? Mais justement, je suis en train d'y venir. Il le fait avec des éléments
au mépris de la violation du principe du secret de l'instruction, alors même que nous, les avocats, nous n'avons eu aucun élément, ça c'est important de le souligner, on n'a eu aucun élément. Alors sur l'audio en lui-même, sur cette audio en elle-même, alors cette audio, d'abord elle est tronquée parce qu'elle n'est pas complète, et nous, effectivement, nous vous montrerons la totalité de cette audio-là. Et il faut savoir que le président Guillaume Soro savait que la personne qui... Procureur, monsieur le cardinal, Afoussatou Bamba. Afoussatou Bamba dit que l'audio n'est pas complète. Afoussatou Bamba dit, audio là, elle n'est pas complète. Quelle date même de 2017? Ça veut dire qu'il y a eu tentative de déstabilisation du régime politique. Tout à l'heure, je vous ai montré une vidéo où j'ai présenté Nicolas Sarkozy. L'affaire de Nicolas Sarkozy date de 2004. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, à la retraite, sera devant la justice. Il va encore retourner devant la justice. Comme chez nous, les gens, ils croient qu'ils sont anarchistes. C'est-à-dire, je dis, le combat qu'on doit mener là, c'est éduquer les gens. On va construire beaucoup de classes de coups du soir. Et puis d'autres vont retourner encore en classe. Ils vont apprendre beaucoup de choses. Parce que ça, là, les Chinois l'ont fait. Il faut que nos mamans, nos papas, tous ces gens-là, les soirs, là, on n'a qu'à créer des coups du soir, les gens vont aller à l'école. Parce que les soros vont toujours les manipuler. Les blés goudés, là, leur groupe, là, ils vont toujours les manipuler. Surtout les pro-babos. Les pro-soros vont toujours les manipuler. Il faut transformer la conscience de nos parents. Nicolas Sarkozy doit retourner devant la justice. Chez nous, le cardinal demande à ce qu'on libère les prisonniers. Alors qu'en France, là, les cardinaux, là, se sont tués. Ils ont laissé Nicolas Sarkozy régler son problème. L'Église ne se mêle pas de ça. Dans les pays des Blancs, au Ghana, l'Église ne se mêle de rien. L'Église reste à sa place. Chez nous, Coutois, Pierre, qui est l'ami de John Soro, dit qu'on n'a qu'à libérer les voyous, ces délinquants, ils n'ont qu'à les libérer. Mais on ne va pas les libérer. Le président Ouattara ne va pas faire l'erreur. Il vous a déjà dit, il ne va pas reculer devant ça. Parce que c'est pour son image, hein, c'est l'image de son régime politique. Il est condamné à créer les conditions. Il est condamné. Et puis, je voudrais dire quelque chose aux gens. Il faut que vous arrêtiez ce slogan à chaque fois. Vous me faites pitié quand vous dites ça. La justice de Ouattara. Non, le président Ouattara, président de la République, crée les conditions pour rendre la justice forte. Mais ce n'est pas sa justice. C'est la justice ivoirienne qui les a arrêtés. C'est notre justice à nous. Moi, je suis fier de cette justice-là. C'est notre justice qui les a arrêtés. Comme la même justice a arrêté les autres qui sont actuellement en prison. Donc, c'est normal que Ouattara faut les libérer. Ouattara faut les libérer. Bon, donc allez-y dire à votre cardinal. Maintenant, on va terminer avec votre type là, comment on l'appelle? Gueux Michel. Allez-y dire à Gueux Michel. Transmettez-lui ce que je vais vous dire. Dites à Gueux Michel que il dit que le président Ouattara a intérêt à libérer Soro pour la paix et à libérer les prisonniers, lever le mandat d'arrêt, tout, pour la paix et autres. Dites à Gueux Michel qu'on a la paix. Gueux Michel, Bédié allait te chercher, il t'a nommé. Bédié là, il allait te chercher, il t'a mis vice-président du PDCI. Mais votre coup là, ça va foirer matin, midi, soir. Parce qu'on est vigilant. Gueux Michel, nous on est vigilant. Toi Gueux Michel, tu es là. Et puis Soro a détruit l'Ouest. Soro a protégé ses parents de Ferke. Et puis il a détruit ta région. Toi, Gueux Michel, tu n'as même pas honte. Tu n'as pas honte, Gueux Michel. En 2010, on a détruit ta région, toi, Gueux Michel, la région de tes parents, de tes ancêtres. C'est toi qui es là encore, qui es dans des jeux de coups d'État, des rébellions. C'est toi qui dis au président Ouattara, tu es qui pour dire au président Ouattara de libérer les prisonniers? C'est la justice qui les a inculpés. Un peu de respect, tu es militaire, reste à ta place de soldat. Tu es maintenant à la retraite, tu la fermes. Gueux Michel, tu la fermes, tu es à la retraite. Ne te mets pas des affaires de justice. Tu es soldat, laisse la justice faire son travail. Tu ne peux pas menacer un régime pour la paix. Quelle paix? Vous avez fait rébellion ici, on vous a amnistié ici, on a eu la paix. Gueux Michel, dans ce pays-là, vous avez fait rébellion, vous avez massacré, on vous a amnistié, on a eu la paix. Vous vous êtes levé encore pour aller vous impliquer dans les audios au Burkina. Vous avez déstabilisé hier Boaké. Toute la Côte d'Ivoire, pendant plus d'une semaine, vous avez tenté de faire un coup d'État. Mais Gueux Michel, si vous tentez encore là, vous n'allez pas vous en sortir. Toi, Gueux Michel, toi, Bédié t'a renvoyé de l'armée. Gueux Michel, au temps du capitaine Sio,
Autant de fois, Boigny, vous avez voulu faire coup d'État. Ce Gueye Bédié, Bédié t'a renvoyé de l'armée parce que sous son régime encore, tu as failli faire coup d'État. Tu as failli faire coup d'État, toi, Gueye Michel, à Bédié. Bédié t'a renvoyé de l'armée. Il t'a radié de l'armée. Bédié, là, il t'a radié de l'armée. Aujourd'hui, le même Bédié allait te chercher. Vous voyez la mauvaise foi de nos hommes politiques. L'homme que Bédié a radié hier pour coup d'État, un général à la retraite. On n'a même pas encore fini par là. Ça, c'est sous conseil de Soro Diom. C'est Soro qui a dit à Bédié, il faut prendre le monsieur, il est bon. Parce que 2020, là, moi, je vous dis toujours, leur plan, là, c'est clair. Comment paralyser la ville d'Abidjan? Déstabiliser la ville d'Abidjan, appeler au soulèvement populaire. Quand ils vont appeler au soulèvement populaire, ils vont paralyser la ville. Eux, comme c'est des généraux, ils ont déjà fait l'armée. Ils connaissent déjà tout ce qui est dedans, les forces et faiblesses du pouvoir actuel. Donc, eux, déjà, ils sont bien placés pour préparer le terrain. On a vu ça ici, hein, les leaders Kwasi. Les leaders Kwasi ont fait école. École, comme on appelle ça, école de guerre militaire. École de guerre, ils ont fait ça en Allemagne. Leader, il était au FPI pour faire les plans de coup d'État. Ça dit, eux, c'est leur travail. Hein. Eux, ils sont allés étudier en Europe. Ils viennent dans les pays des plans. Ils étudient pour aller juste faire les coups d'État dans nos pays. Pour aller juste faire les rébellions dans nos pays. Faire comment déstabiliser et puis aller tuer nos parents là. Ça, c'est leur travail. Ça, c'est leurs études qu'ils ont fait. Voilà nos hommes politiques en Côte d'Ivoire. Et ils sont dans la politique. Ça c'est leur travail. Ici en Europe, là. Quand ils sont dans ça, là, c'est pour protéger le pays. C'est pour protéger le pays. C'est pas pour faire coup d'État. C'est pas pour faire rébellion. Toi, Gueye Michel, Bédié t'a radié. C'est le vieux Bédié qui va te chercher aujourd'hui. Mais en 2002, Gueye Michel, tu n'étais plus rien, Gueye Michel. Il a fallu IB, toi pour te convaincre, pour te ramener dans la rébellion. Quand Bédié t'a radié là, tu n'étais plus rien. C'est IB qui allait te chercher, qui t'a convaincu, qui t'a ramené dans la rébellion. Et dans cette même rébellion là, Soro t'a détourné. Soro là, il t'a détourné et tu es devenu l'homme de Soro aujourd'hui. Mais de grâce, notre pays nous tient à cœur. Tu aimes ton Soro, c'est ton droit. Ce sont tes amis, c'est vos fidélités. Mais comprenez que nous, on a trop souffert. Comprenez que ces Ivoiriens ont trop souffert. Comprenez, vous n'êtes pas des soldats pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. On ne vous a pas formé pour humilier le peuple. On ne vous a pas formé pour faire des coups d'État, pour planifier des coups d'État avec des hommes politiques. Parce que moi, je vous connais. Vous, nos responsables de l'armée, nombreux d'entre vous sont inconscients et irresponsables. Nombreux d'entre vous sont inconscients et irresponsables. Vous êtes inconscients et irresponsables. Là où le Ghana, aujourd'hui, est en train de construire une armée forte, là où le Ghana est en train de créer une armée moderne, chez nous, les Gueye Michel se battent pour faire coup d'État. Ils soutiennent tous ceux qui déstabilisent la Côte d'Ivoire, ils n'aiment pas Ouattara. Vous là, c'est vous, on va confier la Côte d'Ivoire. Vous qui avez gouverné le Nord, l'Ouest, vous avez humilié nos parents. C'est à vous l'on va confier la Côte d'Ivoire. C'est que nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on veut. Vous, l'on va vous confier la Côte d'Ivoire. Mais on est mort. Si on vous confie la Côte d'Ivoire, là, nous, on est mort. Nous, on pleure pour nous aussi. Hein. Moi, quand je suis assis ici, là, je pleure pour moi-même aussi. Parce que je connais les gens. Là. Si demain, par malheur, Ouattara et son camp, ils se sont amusés à ce pouvoir-là. Et puis ceux-là, ils prennent le pouvoir-là. Nous, on ne va plus rentrer là-bas. Donc, moi-même, je pleure pour moi. Parce qu'ils vont nous tuer. Ils n'ont aucune compétence. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont dans l'armée, pourquoi ils sont soldats. Et armes, ils vont prendre des mains pour aller dans nos maisons, enlever nos familles. Ils vont aller nous tuer un à un. Ils vont aller dans nos villages. Parce que c'est ça leur problème. Ils vont même dans ton village. Ils vont aller humilier tes parents. Ils ont fait ça en 2010. Moi, j'ai vu dans la crise, là, beaucoup sont allés dans mon village. Ils sont allés dans mon village. Des gagnants, ils sont allés dans mon village. Eux-mêmes, ils m'ont dit ça. Je leur ai dit, moi, je vous pardonne. Quand j'arrive dans mon village, là, les parents, ils sont rentrés en brousse. Mais qu'est-ce que mes parents ont à voir avec mon choix politique, mes actions politiques? Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ça? Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ça? Vous êtes soldats, là. Mais on respecte le fait que vous êtes soldats. Est-ce qu'on est obligé pour ça? Parce que vous êtes soldat, on doit humilier vos parents. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont à voir dedans? Qu'est-ce qu'ils ont à voir dedans? Allez-y, dis à Gueye Michel qu'on ne va pas, on ne va pas lever le mandat d'arrêt international contre Soro. Soro, là, c'est lui qui disait Blé n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire.
Blé, là, quand on a lancé le mandat à Blé, Soro dit qu'il ne faut pas, Blé va rester là-bas, il n'a qu'à rentrer. Il va se justifier. C'est une affaire de la justice. De grâce, battons-nous et positionnons notre justice. Arrêtons d'étouffer la justice pour toujours humilier le peuple. Parce que c'est ça l'esprit des gens. Humilier notre justice. Dire que, ça veut dire qu'eux, ils ne veulent pas. Parce que la justice, là, la justice, ça crée un état stable. Quand la justice est forte, l'état devient stable. Nous tous, on est en paix. Ça dit, je peux me lever, je prends ma famille, je peux aller à Bassam, à la plage, je peux faire ceci, je n'ai pas de problème, je peux rentrer à la maison à n'importe quelle heure. En paix, il n'y a pas de problème. Parce que la justice est forte. Parce que l'armée est forte. Nos policiers sont forts. Nos gendarmes sont forts. Ce que vous faites là, c'est pour vous, c'est pour nous tous. De grâce. Que Bédié soit candidat, c'est votre problème. Parce qu'il a dit que Bédié sera le candidat. Tu peux essayer de dire. Que Bédié soit candidat, ça c'est votre problème. Mais 2020, Bédié ne sera pas président de ce pays. Parce qu'on va battre Bédié dans les urnes. Ça c'est clair. Bédié n'est pas un homme qui a un projet de société. C'est un vieux qui n'a pas encore pris conscience. C'est lui qui continue de vous manipuler, Bédié. Il vous manipule parce qu'il pense à lui. Bédié, c'est un égoïste. Bédié, là, c'est un égoïste. Dites aux militants, moi, je dis, c'est un égoïste. Voilà, là où Ouattara se bat pour donner le pouvoir à une nouvelle génération, Bédié est derrière Soro. Ils sont dans des coups. Que Dieu vous protège. Allez-y, dis à Koutoua que Jésus-Christ, là, il n'aime pas le désordre. Jésus-Christ a toujours aimé la justice. Il aime la justice. Dieu aime la justice. De grâce qu'il laisse la justice faire son travail. Ne m'oubliez plus des affaires de justice. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Allez-y dire à vos imams, vos pasteurs, tous ces imams qui la nuit courent pour aller demander pardon au chef de l'État. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Ces imams qui on passe toutes les nuits et qui vont toujours demander pardon. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Restez dans vos mosquées, restez dans vos églises. Laissez les juges faire leur travail, s'il vous plaît. Soro a ses avocats. Il a son conseil d'avocats. Nous voulons comprendre ce qui s'est passé. Nous voulons savoir pourquoi on a voulu déstabiliser la Côte d'Ivoire. Nous voulons voir clair dedans. Nous sommes des Ivoiriens, c'est notre droit. C'est notre droit de savoir ce qui se passe. Parce qu'il s'agit de la paix dans notre pays. On est ensemble, chers amis. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, j'ai un point où sur lequel je vais terminer là. C'est la perquisition de la résidence de Ouattara. Il y a eu des gens qui ont dit ils sont allés perquisitionner la résidence de Ouattara. Vous aussi, s'il vous plaît. Ouattara, il est le commandant, il est le colonel, il est le commandant de la garde républicaine. Tout le matériel qu'il a là, c'est pour l'État, c'est pour l'armée. Donc normalement, quand il décède là, l'armée doit aller chez lui. Son adjoint doit envoyer des gens là-bas. Et puis tout le matériel qu'il avait là, on va prendre. Avant de faire ses funérailles, on doit aller tout prendre. C'est partout. Partout, c'est comme ça. Donc c'est normal qu'on envoie des gens aller prendre le matériel. C'est-à-dire les armes et autres, quels que soient les documents, tout ça, on prend. Pour ne pas que les gens de mauvaise foi récupèrent ça, immédiatement, on doit aller prendre ça. Sinon, on n'a pas perquisitionné la résidence de Ouattara. Ça fait partie de la loi militaire. Que Dieu vous bénisse. On a ça.